L'honorable député de Laurentides-Abbeville. Monsieur le Président, notre région se remet de l'hiver. On a bien hâte à l'été. Le petit train du Nord se fait une beauté pour accueillir les cyclistes. Les stations de ski font le grand ménage pour être prêtes pour l'hiver prochain. Mais en attendant, c'est des milliers, et je le dis bien, des milliers de travailleurs qui se retrouvent sur l'assurance-emploi jusqu'à la prochaine saison touristique, qui vont repartir en juin. Ces travailleurs saisonniers, le gouvernement les abandonne parce qu'incapable de mettre sur pied une réforme de l'assurance-emploi que l'actuel gouvernement, qui est au pouvoir depuis 2015, néglige de le réaliser. Quand ils ont été élus, le gouvernement libéral nous disait que ça s'en venait, la réforme. Donc, en 2022, on nous promettait que c'était pour l'été. Juré pour l'automne, Monsieur le Président, et on achève le printemps 2023, il n'y a rien.